sire. Veuillez faire silence dans la salle. Le tribunal à Anvers est ainsi réuni pour prodiguer une justice expéditive visant à remettre dans le droit chemin les adultes. Veuillez accueillir comme il se doit l'honorable juge Fontaine. Responsable et autonome en réalisant les tâches ménagères.
Ma mère m'arrête en pleine partie en ligne des sources. Elle ne veut pas que je m'entraîne à Call of Duty, GTA 5, Carpe Diem, interdit au moins de 18 ans. Elle dit que je suis trop petite et que c'est trop violent. J'ai l'air du nul au bol. Monsieur Georges et Madame Lourdes, tant bien que mal, d'armer leur fille face à la vie cruelle et difficile que celle d'un adulte. La fille petite rose qui peut les blâmer pour les aides de la jungle et d'être trop grande. Mais la porte d'un est trop bête. Excuse-moi, c'est Monsieur Georges. C'est pour une envie de présence. Il est où le collègue? J'ai une choucroute sur le feu et une garde de 3 enfants dont les parents sont conviés à un apéritif entre amis. Je suis sûre que vous comprenez. Mademoiselle Ursula, pouvez-vous nous expliquer les remarques sur mademoiselle, madame Micheline et monsieur Georges? Souvent, je suis payée pour venir garder Léa. Je dois lui servir les plats que sa mère cuisine. Sa mère cuisine très mal, c'est une vraie catastrophe. Madame Micheline tente d'équilibrer tous les repas raisonnablement, toujours pour le bien-être de sa fille. Si c'est bon avec de la bonne huile de palme, de tartines au goûter avec un grand verre de lait. N'importe quoi, de toute façon tu n'écoutes jamais ta mère, cela en devient désolant. Oh l'humiliation. Est-ce pareil pour tout le monde dans cette maison? Mon père a une cachette à Magnum. Passé 21h, il s'installe devant la télé, il mange une à deux barres glacées. Et moi, il m'oblige à manger des fruits en dessert. Sauf fruits et légumes par jour, c'est bien là le minimum. Tu crées, tu croques, tu craques, des repas équilibrés pour garantir une croissance saine de nos enfants. Quand elle sera grande, elle fera ce qu'elle voudra. Et choisira ou non de se détruire la santé. Mais ce n'est pas terminé. Mademoiselle Ursula, pouvez-vous nous donner la peine de nous expliquer? Ils n'ont pas de friteuse, ni ketchup, ni mayonnaise. Non mais allô quoi, c'est comme ça que je fais. Voyez, mon témoin signale que lorsque Mademoiselle Léa est en déplacement culturel, c'est-à-dire en vacances chez papy et mamie, Monsieur Georges et Madame Micheline se comportent bizarrement. Ils ne font pas le ménage, ils sortent des soirs. Je le sais parce qu'ils invitent leurs voisins. Et moi, je garde les enfants des voisins. D'ailleurs, l'apéritif de tout à l'heure, c'est chez les voisins. Ah, ils osent rentrer sur la propriété privée de ma plaignante. Ils aèrent la chambre. Le pire, c'est qu'ils ont inventé une loi. La loi du 31 mars. À partir du 1er janvier, je n'ai plus le droit de m'acheter de nouveaux jouets pendant 3 mois. Ils disent que je profiterai plus de mes jouets de Noël. Je vous remercie, maître. Non, mademoiselle Ursula, poursuivez. Mais quand même, ne soyez pas trop dur. Ils sont gentils. J'aime bien venir regarder Léa, on s'amuse bien. Puis qu'est-ce que je suis bien payée? Il y avait dans le début de cette affaire maltraitance en association. Je propose de faire toute la lumière sur ces accusations. Votre horreur, les parents de Léa payent un instituteur qui lui inflige des travaux.
votre professeur à l'exercice scolaire. Bien entendu, Gervais nous partage. C'est difficile pour moi toutes ces activités. Le français, les accords, la conjugaison. Après la récré, on joue au foot. Après, les multiplications. Ensuite, je n'arrive plus à retenir le score du coup. J'ai trop mal au poignet d'avoir écrit, alors l'arbitrage avec le sifflet devient impossible. Ces accusations sont graves. Nous allons donc statuer avec la... Monsieur Borg, ici présent, n'est pas un parent exemplaire, mais il aime sa fille Léa. Dites-vous qu'il y en a des pires, des parents qui prennent du téléphone, de tablette, d'internet. Je suis sûre que dans cette salle, certains seront connus. Si vous jugez qu'ils sont coupables, levez les cartons. Si vous jugez qu'ils sont non coupables, levez les cartons. Nous ferons le
Suisse et à France pour avoir aidé à réaliser cette pièce.